Bonjour Laurent Godet. Bonjour. On va passer du temps ensemble pour évoquer votre dernier roman que je montre à l'écran, Chien 51, et j'allais dire publié comme vos précédents romans chez Actes Sud. Alors, j'ai presque scrupule à vous présenter parce que vous avez déjà une œuvre qui est prolifique et foisonnante. Vous avez obtenu le Goncourt, vous me corrigez hein, si je dis des erreurs, hein, en 2004 pour Le Soleil d'Escorta à 32 ans. Et vous avez commencé à écrire pour le théâtre avec une première pièce intitulée Dionysos le Furieux. Pièce déjà étonnante qui mélangeait l'Antiquité et le quai du métro de New York. Et vous faisiez dire à Dionysos, je vous cite, « La nuit est ma fureur, personne encore ne tremble à l'évocation de mon nom, mais c'est parce que personne encore ne m'a donné de nom. Je suis le loup, le lion, l'ours et le chacal. » Fin de citation. Cette pièce a été créée au Théâtre national de Strasbourg en 2000, mise en scène par le grand homme de théâtre Yanis Kokos, mais je crois que vous l'aviez écrite en 97 à 22 ans. J'ai voulu citer un extrait de ce premier texte connu de vous parce que je trouve qu'il y a des éléments que l'on retrouve dans votre dernier opus, le roman dont nous allons parler maintenant. Parce qu'il y a question de Grèce, là aussi, mais aussi parce que la nuit est essentielle, comme dans d'autres de vos œuvres, mais encore parce que des loups, des lions ou des lionnes, des ours et des chacals et même des chiens, on en croise plus d'un ou d'une dans ce récit. Même si j'ai lu quelque part, au sujet de votre dernier roman, que vous nous montrez que le héros grec est fatigué. Alors, on va dire que c'est une dystopie, parce que c'est le terme que l'on aime employer désormais, mais quand on a dit ça, on n'a rien dit, ou pas assez, en tous les cas. Et vous, Laurent Godet, si vous deviez définir le genre, entre guillemets, de votre livre, vous diriez quoi? Vous le feriez comment? Ben merci d'abord de commencer par Dionysos. Ça me touche beaucoup parce que c'est vrai que j'ai une tendresse particulière pour ce texte que vous avez cité, dont vous avez cité un petit morceau, parce que c'est comme ça que ça a commencé. Moi, j'ai vraiment eu le sentiment avec Dionysos le Furieux que j'entrais dans quelque chose. Alors, je ne vais pas faire de grandes phrases et je ne vais pas dire que j'entrais en littérature, mais tout simplement que quelque chose commençait vraiment. Alors que ce n'était pas le tout premier texte que j'avais écrit, ni même terminé, ni même envoyé à des gens. Mais c'est ce texte-là où, tout d'un coup, je pense que j'ai trouvé mon territoire. Et ça m'amène tout doucement à votre réflexion et à votre question. Je n'avais jamais fait le rapprochement entre Chien 51 et Dionysos le Furieux, mais vous avez raison. Il y a des éléments qui sont là et qui, justement, montrent bien qu'il s'agit d'un territoire en fait, que je ne cesse d'arpenter depuis maintenant plus de 20 ans. Et notamment cette friction entre le moderne, l'actuel, et le lointain, l'antique, qui est présent dans Dionysos le Furieux, puisque vous l'avez dit, on est à la fois sur un quai de métro et dans la Mésopotamie lointaine, qui là se joue un peu différemment dans Chien 51, puisqu'on n'est plus dans le présent, on est dans l'anticipation. Mais au fond, c'est la même vibration, c'est-à-dire comment essayer de dire quelque chose en prenant comme axe la verticalité du temps, ce qui se dépose en nous, l'origine qui est en nous et qui nous traverse, et tout ce que cela implique pour les individus que nous sommes. Alors, sur la question du genre, j'ai pas vraiment de désir forcené de définir ce genre-là. Je sais que, évidemment, il y a une étiquette qui existe qui est celle du polar, parce que c'est un genre littéraire. Il y a une autre étiquette qui existe qui est celle de la science-fiction, de la SF. Mais je ne suis pas très à l'aise avec ces genres-là parce que ce ne sont pas des genres que je connais très bien, en fait. Je ne suis pas un immense lecteur de ces genres-là. Donc, Chien 51 n'a pas été écrit pour rendre hommage ou s'inscrire dans la lignée de ces genres-là. Pour moi, c'est simplement le livre d'après. Voilà, c'est le nouveau livre sur mon chemin d'écriture. Et finalement, c'est encore comme ça que je trouve que ça le définit le mieux. Alors, on va évoquer un certain nombre de, non pas de thèmes, hein, mais j'allais dire presque d'espace dans votre livre, d'espace au sens physique, mais aussi au sens peut-être de caractère. Alors d'abord des lieux. Alors il y a la Grèce, hein, parce qu'on reconnaît le port du Pirée. Le livre s'ouvre sur Athènes, donc, et sur son port. C'est une scène de départ massif comme on en connaît à l'occasion d'événements graves comme des débuts ou des fins de guerre. Hein.
Et puis, il y a une explosion terrible. Que fuient ces gens et que s'est-il passé en Grèce antérieurement pour qu'il y ait ainsi cet exode ou cet exil massif ? Alors, le point de départ, c'est la crise de la dette grecque, en fait. Mon envie de départ, elle se situait à cet endroit-là. J'avais envie de revenir sur cette crise-là et simplement de tordre un peu le réel. Donc, on est bien dans une situation qui ressemble à ce qui s'est passé. La Grèce va mal. La Grèce est en dépôt de bilan. Sauf que, contrairement à ce qui s'est passé dans la réalité, moi, j'avais jusqu'au bout de la catastrophe. Et donc, effectivement, la Grèce est ruinée. Et une grande société mondiale, comme nous en connaissons plusieurs aujourd'hui, ça pourrait être une des sociétés du GAFAM ou d'autres, décide de racheter la Grèce en disant, ben, moi, j'ai les moyens de le faire. Et donc voilà, à partir de là, le roman effectivement bascule d'une certaine manière, quitte la réalité, bascule dans l'anticipation, dans la dystopie aussi, et dans l'imagination. J'imagine que ça s'est pas passé comme ça s'est passé dans la réalité, et que donc effectivement il y a un rachat complet d'un pays pour la première fois par cette société qui s'appelle Goltex. Les Grecs et notamment la jeunesse athénienne essayent tant bien que mal de résister à cette fusion-acquisition un peu brutale. Et mon héros, le jeune Zem Sparak, fait partie de ces mouvements de jeunesse qui se battent, qui font de la guérilla urbaine. Comme les autres, il ne peut s'opposer à ce grand mouvement de fond qui va racheter le pays. Et comme les autres, du coup, il est du côté des vaincus et il doit faire comme tout le monde, c'est-à-dire quitter le pays qui va être en fait démembré, racheté ensuite par des sous-traitants. Enfin, la Grèce n'existera plus et donc tous les Grecs quittent la Grèce, d'où ce port du Pirée où des foules entières embarquent dans des navires pour aller rejoindre en fait la grande ville de Goltex qui est Maniapol, où se situe l'intrigue, puisque c'est 30 ans plus tard que nous retrouvons effectivement cette ville et le héros qui a pris 30 ans et qui vient effectivement d'un monde que nous connaissons, qui était celui de la Grèce. Alors on y vient justement à Maniapol. Alors je dis bien c'est Maniapol, hein, c'est pas l'acropole, mais c'est pas non plus mégapole, hein, c'est Maniapol, donc avec plutôt le recours à un préfixe latin. Mais ce qui est particulier, c'est que cette ville Maniapol, donc ville Goltex, elle est sous un dôme climatique qui a été inventé, fondé par un certain Yehou Rami, vous en faites le portrait dans le texte du livre. Et cette ville, elle est divisée en trois zones. Il y a deux zones qui sont sous le dôme climatique, lequel dôme climatique protège entre autres des furies. On va d'ailleurs, il y en a une pendant l'histoire, hein, ça fait froid dans le dos parce que on constate que dans votre roman d'anticipation, les grêlons qui sont déjà parfois sous nos cieux ou sous nos climats, gros comme des œufs de pigeon, deviennent carrément des non pas des œufs d'autruche, mais enfin des petites bombes. Hein, voilà. Donc le dôme climatique protège les zones 1 et 2. Par contre, la zone 3, elle est hors du dôme. Hein. Et cette zone 3, elle se prend entre autres les pluies acides dont j'ai retenu l'image. Elle rend orange les cheveux. Et puis alors, on a le sentiment que le climat est complètement bouleversé. Et bien sûr, ça, c'est pas, je vais dire, très original. Les catégories sociales, les classes sociales les plus privilégiées sont en zone 1 et 2. Et puis la zone 3, bah, j'allais dire, c'est pour les autres. Alors, les zones sont fermées entre elles. Il faut passer par des checkpoints très sévères pour passer d'une zone à l'autre. Dans cette cité de Goltex, ceux qui y habitent s'appellent des Silariés. Qu'est-ce que ça veut dire ? Silarié, c'est un mot combiné de citoyens et salariés, et pour décrire cette réalité-là, à partir du moment où
Goltex a racheté un pays, la question de la citoyenneté ne se pose plus vraiment, en fait, puisque les gens qui ont été rachetés sont des salariés. Encore qu'on va l'apprendre, l'entreprise fait son tri quand même. C'est-à-dire que tout le monde ne peut pas devenir un salarié. Ils n'ont pas repris tous les habitants de la Grèce, ils ont choisi ceux qui leur plaisaient, les plus qualifiés, et les autres, on ne sait pas très bien ce qu'ils sont devenus. Mais donc, effectivement, il y a cette nouvelle entité de salariés qui est personne appartenant à ce grand conglomérat de Goltex. C'était une manière pour moi de jouer avec cette question de la frontière qui existe déjà. Alors, je n'ai pas une vision paranoïaque du monde, hein, qui existe déjà parfois en tout petit dans nos vies. On voit bien, hein, et de manière de plus en plus pressante par rapport aux générations précédentes, la question de la frontière entre la vie privée et la vie professionnelle, la question de comment est-ce qu'on parvient ou on ne parvient pas à arrêter et à créer quelque chose d'un peu imperméable entre notre activité de jour professionnelle et le moment où on rentre chez soi et où on est dans un espace et un temps qui n'appartient normalement plus à personne. Mais on voit bien qu'avec les mails, les écrans, les messages, il y a une sorte de disponibilité de plus en plus galopante qui nous est demandée. Donc le salarié, ce serait une espèce d'extension extrême de cette chose-là. Mais là, on comprend que quand vous écrivez un texte comme celui que vous avez publié, la réalité qui est la nôtre, en tous les cas celle de peut-être du continent européen, n'est jamais loin de la fiction. C'est quand vous venez de le dire, Goltex fait le tri, hein, entre ceux qui peuvent ou veulent travailler et puis ceux qui ne veulent pas ou ne peuvent pas. Et vous dites, on ne sait pas très bien où sont envoyés les autres. Enfin, on comprend qu'ils sont carrément expulsés. J'avais en tête, en vous écoutant, le projet de Liz Truss, la toute récente première ministre britannique, à propos des demandeurs d'asile qui seraient refusés au Royaume-Uni, de les envoyer au Rwanda. C'est quand même assez incroyable comme projet, puisque là, on est carrément dans une forme de déportation quasi collective, quoi. Hein, voilà. Hein. Oui. Mais tout à fait, vous avez raison de mentionner ce genre d'exemple, parce que c'est exactement ce genre de détail qui, dans la réalité de notre monde d'aujourd'hui, existe en fait, a été proposé et porté par un certain nombre de personnes, et qui, moi, me servent en me disant, que serait une société qui aurait acté cette chose-là, par exemple, et qui l'aurait mis au centre de son dispositif d'accueil ou d'émigration, si on peut encore appeler ça de l'accueil. Donc, en fait, c'est un peu le cas dans Chien 51 tout le temps. On pourrait prendre chaque invention, entre guillemets, qui constitue ce monde et en trouver une trace déjà existante aujourd'hui, alors en petit, en un peu plus atténué. Mais moi, c'est ça qui m'a intéressé, c'est ce va-et-vient. Vous avez parlé des trois zones, d'une répartition sociale de la géographie de nos villes. Il n'y a pas à aller bien loin pour trouver dans chacune de nos villes des centres-villes qui sont parfois très bourgeois. Et plus on va à la périphérie et plus les quartiers sont populaires, ça existe. Et même, on pourrait trouver assez facilement, alors peut-être pas en France, mais en Occident ou en Amérique latine ou dans des tas de pays. Moi, j'ai vu des villes où il y a des checkpoints pour séparer des quartiers. Ça existe. Là, je le mets au centre de l'histoire et de manière un peu spectaculaire parce qu'on est dans l'anticipation. Mais au fond, c'est vrai que cette pêche dans la réalité d'aujourd'hui a des éléments qui m'intéresse parce qu'il montre un avenir possible. Est-ce que c'est vers ça qu'on veut aller? C'est ça qui m'a le plus intéressé, je crois, au fond. C'est vrai que, par exemple, quand on voit, à un moment, il y a un passage où le couple de héros, si je puis dire, hein, on va y venir, hein, sur Zem et Salia, passe en zone 1, hein, qui est la zone, en fait, on va dire, du cœur de décision, hein, de cette ville Goltex. C'est ni plus ni moins rentrer dans la zone verte de Bagdad ou de Kaboul, hyper sécurisée. Alors là, c'est pour des raisons, on va dire, de haute sécurité, hein, les zones vertes, hein, mais c'est évidemment exactement le même processus. Voilà. Alors ça me permet d'arriver aux deux personnages principaux, hein, mais il y a beaucoup de personnages. Zem Sparag, d'abord, alors avec lui, on le rencontre d'entrée de jeu, hein, dans le roman. Alors, son vrai nom, c'est Sparakos, hein, vous l'avez dit, il était jeune grec militant. Il est arrivé, effectivement, il y a une trentaine d'années, et page 37, vous dites, il est arrivé à Magnapol à l'âge de 24 ans, matricule XP51. Alors, je ne dévoile pas, hein, du tout, hein, on, le lecteur comprendra pourquoi il s'appelle comme ça. De son vrai nom, c'est Sparakos. Il ne se souvient plus de son prénom d'avant.
quand il était de nationalité grecque. Je trouvais que c'était un parce que votre roman, c'est ça qui est extraordinaire et qui nous prend tout le temps. Il y a comme ça des tout petites rayures, j'allais dire, sur une surface. Et le fait, par exemple, de ne plus se souvenir de son prénom, ça renvoie évidemment à la question de l'identité primitive et de l'identité première. Hein. Alors, au bureau d'homologation, d'enregistrement, on va dire, de la nouvelle nationalité, donc de Goltex, il regarde par la fenêtre et puis il voit un camion qui est contre la vitre. Et il y a les trois dernières lettres de la marque qui s'appelle Gazprozem. Et il dit « Je m'appelle Zem ». Voilà. Hein, donc les Français connaissent cet excellent acteur qui s'appelle Rojdi Zem. mais là, c'est Zem Sparak. Alors, c'est un flic de base, un chien, comme on dit, dans le langage vernaculaire. Il réside en zone 3. En fait, il a choisi de résider en zone 3. Et il a assisté, il y a 10 ans, avant votre roman, avant votre histoire, il a assisté aux grandes émeutes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé 10 ans avant ? C'est quelque chose qu'on apprend au cours du roman, effectivement, pour remettre la chronologie. Entre le moment où Zem Sparak est arrivé à Maniapol, jeune homme quittant la Grèce, et le moment où le roman commence, effectivement, il s'est passé 30 ans. Et dans ces 30 ans, vous avez tout à fait raison, 20 ans après son arrivée, en fait, il y a eu des grandes émeutes, c'est-à-dire un moment où la zone 3 s'est soulevée, en fait, ne supportant plus cette partition sociale qui leur était imposée. Et il y a eu d'énormes manifestations de révoltes urbaines qui ont été assez sauvagement réprimées. Et Zem Sparak, étant policier, faisait partie des forces de l'ordre qui ont été envoyées en renfort pour essayer d'endiguer la rébellion de la zone 3. Donc il a vu cette chose-là de très près, mais de l'autre camp, jusqu'à un épisode assez tragique d'une rupture d'un pont, je ne vais pas trop en dire, avec énormément de morts parmi les manifestants, et dont on sait en fait que ce n'était pas une rupture accidentelle, c'était une rupture décidée, qui lui le fait vaciller, et il sent qu'au fond, le plus juste pour lui serait de résider dans cette zone 3, qui est la zone des sans-rien, la zone des ombres, la zone de ceux qui ne comptent pas. Au fond, il se sent plus frère de ces gens-là que de ceux de la zone 2. Et il y a donc une sorte d'adoption de cette zone par Sparak, qui choisit d'y vivre, alors que d'ordinaire, on ne choisit pas d'y vivre, on n'a même qu'une seule envie, c'est d'en sortir. Donc alors, il est flic, effectivement, dans cette zone depuis 10 ans, quand le roman commence. Alors, c'est une sorte de Serpico, si je puis dire, c'est le petit frère de Serpico, ou le lointain descendant de Serpico. Mais il y en a une qui, elle, va faire quelque part, dans une forme de casme romanesque, si je puis dire, le chemin inverse. C'est sa partenaire, en enquête, qui s'appelle Salia Malberg. Et elle fait, j'allais dire, un peu aussi contre sa volonté, le chemin inverse. Hein. Elle est née en zone 3. Sa maman, on l'apprend, meurt quand elle a 7 ans, et son père fait partie, j'allais dire, de ceux qui ont sans doute participé aux grandes émeutes, c'est-à-dire de ceux qui ont craqué un moment sous la pression. Il devient une sorte de marginal social eu égard à la norme de Goltex, et il ne veut plus travailler. Il est sans doute effectivement de plus en plus considéré comme un inutile. Hein, voilà. Et elle, Salia, qui est une très bonne élève, est en fait adoptée par Goltex. Elle devient pupille de Goltex, comme on a pu parler de pupille de la nation à une époque. Et elle est en zone 2, dans un internat, fait de très bonnes études, et elle va rentrer dans la police. Hein, et d'ailleurs, son mentor, le commissaire Dombro, on assiste à sa sépulture au tout début du roman. Il se trouve que Salia est verrouillée, entre guillemets, à Zem par une procédure nouvelle mise en place par quelqu'un dont on va parler dans un instant, qui est l'équivalent du ministre de l'Intérieur, et qui fait que pour un certain nombre d'affaires un peu sensibles, un flic ou un enquêteur de la zone 2 se trouve accroché à un enquêteur de la zone 3. Là encore, vous avez été rattrapé par l'actualité, parce que c'est
Entre autres, dans le projet de refonte de la police judiciaire en France, il y a cette volonté de faire que les enquêteurs de la PJ s'occuperaient de sécurité publique. Et ça, c'est, je ne sais pas si vous étiez au courant. Ah, ça, je ne savais pas. Écoutez, vous regarderez dans les bons moteurs de recherche, vous taperez le monsieur Frédéric Vaux, directeur général de la police nationale, réforme de la PJ, et vous aurez exactement la technique un peu du verrouillage. Alors, est-ce qu'on peut dire que Salia, qui est née après la création de Magnapol, elle est comparable à ce qu'on appelle dans notre société les millennials ou la génération Z, c'est-à-dire ceux qui sont nés après l'an 2000 ou surtout après le 11 septembre 2001, c'est-à-dire qui n'ont rien connu du temps d'avant. Alors, j'allais dire surtout comme moi, vous étiez tout jeune, mais est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce que Salia est une enfant de Goltex? Oui, tout à fait. Vous l'avez dit, c'est un bon petit soldat d'une part, parce que elle a été recueillie par Goltex d'une certaine manière, comme vous le dites, avec cette espèce de fonctionnement un peu à la pupille de la nation. Et donc, elle doit beaucoup à cette entreprise. Elle est née dans ce monde-là, elle ne le questionne pas particulièrement. Elle y évolue de manière assez fluide et assez naturelle. Elle en connaît les codes, elle en connaît les événements, les cérémonies. Je pense notamment au Love Day. Tout ça, c'est son monde. Il n'y a aucun problème pour elle à être dans ça. Elle a des ambitions tout à fait légitimes, d'ailleurs, qui ne sont pas la marque d'un esprit particulièrement retors. Elle a envie de monter dans la police, elle a envie de faire une belle carrière. Et c'est vrai que ce verrouillage avec Zem ne l'arrange pas, ne l'intéresse pas au démarrage. D'ailleurs, pas plus que lui, qui n'a pas du tout envie non plus de faire un tandem avec une jeune femme de la zone 2. Ça leur est effectivement, vous l'avez dit, imposé par un nouveau protocole de police. Et ça va les obliger à être ensemble. Moi, ce qui m'intéressait, c'est cette question de la mémoire, effectivement, entre eux. C'est-à-dire qu'elle est, pour une simple question de génération, en fait, elle est amnésique d'un certain nombre de choses. Mmh. Mais je veux dire, on l'est tous. Chacun d'entre nous n'a pas connu le monde d'avant lui. Alors, effectivement, plus on vieillit et plus... Et plus on a connu d'événements de passé, plus on est, plus le passé se dépose en strates successives. Donc Sparac, il est très chargé de tout ça. C'est un personnage qui a beaucoup traversé de monde, des grands bouleversements, qui a aussi, d'un point de vue personnel, on n'en a pas parlé, je ne veux pas trop en dire, mais à l'époque de la Grèce, il y a eu aussi de sa part une faute, une trahison. Donc il n'y a pas seulement un dépôt d'histoire, de série d'événements auxquels il aura assisté, il y a aussi un dépôt d'expérience, de douleur intérieure, de faute, de culpabilité. Tout ça le remplit et fait de lui un personnage qui a un peu du côté de l'usure, de la fatigue, du renoncement d'une certaine manière, en tout cas d'un désir de ne pas adhérer à ce qui l'entoure. Je pense que Sparac n'a pas envie d'être là où il est. Il n'aime pas cette société-là, surtout depuis les grandes émeutes qui a encore cassé quelque chose. Et donc, il y a un point de résistance un peu opaque en lui, qui est qu'il ne se bat plus comme il le faisait quand il était jeune. Il participe à la société au sens où il fait ses enquêtes, mais on sent qu'il n'y a pas d'adhésion de sa part. Alors que Salia Malberg adhère à ce qui l'entoure. Ce qui m'intéresse, c'est de voir comment, parce qu'ils sont mis en présence l'un de l'autre, il y a quelque chose qui va passer de l'un à l'autre et de l'autre à l'un, si je puis dire. Ça marche dans les deux sens. C'est pas uniquement Sparac qui transmet des choses à Malberg. Je pense que la présence de Salia Malberg active quelque chose en Sparac qui s'était peut-être endormi ou qui s'était peut-être évanoui. Et c'est ça qui m'intéressait, en fait. C'est la question de la mémoire et qui amène aussi tout naturellement à la question de la transmission. Est-ce qu'on peut transmettre à quelqu'un les mondes qui sont en nous et qu'on pense un peu disparus, engloutis? Comment on fait pour transmettre cette chose-là? Est-ce que la présence côte à côte de deux êtres humains suffit à faire passer de l'un à l'autre quelque chose? C'est une question qui est très ouverte parce que fondamentalement, je pense que dans nos vies à nous, la question de la transmission est une question absolument vertigineuse, passionnante et qui fait un peu la dignité de l'existence humaine quand même. On va avoir l'occasion d'ailleurs de revenir sur la question très importante de la mémoire, hein, y compris non seulement pour les personnages, pour les acteurs, mais aussi peut-être aussi pour les lieux. Mais je termine dans le casting. Je passe assez vite alors qu'on est au cœur de l'énigme. Hein. Il y a deux meurtres. Hein, un monsieur hein, qui s'appelle Malek Pamuk, et puis
une jeune femme qui s'appelle Ira Kuprak. Alors, j'en dis pas plus, ils ont des destins qui sont très différents, mais c'est parce qu'on retrouve leurs deux corps atrocement mutilés hein, en zone 3. D'ailleurs, non loin de là où il y a eu l'effondrement de cette partie d'autoroute aérienne, je dis mal, hein, mais la rocade numéro 8, je crois, enfin, en zone 3. Hein. Mais il y a également d'autres personnages, en particulier deux politiques. Et là, c'est assez extraordinaire parce que c'est des histoires qui vont s'entremêler. Alors, je les présente en quelques mots. Il y a un dénommé Barsok. Alors, c'est le chef de la commission sécurité. Donc, il est candidat à la commission directoire. On peut dire que c'est une forme de magistrature suprême. Et je vous lis sur lui, hein, page 73. Voilà ce que vous en dites. Malgré sa petite taille, une autorité naturelle se dégage de lui, avec son visage carré, ses yeux noirs et son sourire enjôleur. Il avance vers le premier rang sans hésiter. Il serre quelques mains, puis s'assoit. Il faut dire qu'il est en visite dans, j'allais dire, un commissariat de quartier de la zone 3. Donc, il est né en zone 3, d'ailleurs, dans le district 7. Il s'en est sorti et il en est très fier. Il propose, d'ailleurs, dans sa campagne électorale, de supprimer les trois zones de Magnapol. Bon, quand on lit ça, on se dit, mais c'est pas possible, Barsok, c'est Sarko. D'ailleurs, il n'y a pas de prénom dans son roman, mais l'anagramme du patronyme est limpide quand même. Hein. Alors, très honnêtement, je n'ai pas pensé une seule seconde. Ah, ne me faites pas croire. Ne me faites pas croire. Enfin, ah non, je vous assure. Non. J'ai vu dans votre regard quand vous lisiez l'extrait que vous y pensiez, mais c'est la première fois que j'y pense. Non, non, je n'ai pas particulièrement pensé à lui. C'est vrai que la présence du K dans son nom ne vient pas de ça. Ce que j'aimais avec Barsok, c'est l'idée, mais ça me fait rire maintenant, mais non, mais c'est l'idée que c'est un personnage qui vient de la zone 3 et qui porte un projet, un discours, ouais. Qui est assez attrayant en fait par rapport, ouais, à la réalité. C'est un populiste. Oui, mais il a une très belle idée de, ouais, supprimer les zones. Et son slogan, c'est une seule zone pour une seule ville. C'est assez. On a envie d'y croire. Son système d'imposer un tandem aux inspecteurs quand l'enquête, ouais, le nécessite, pour que les gens travaillent ensemble et qu'il n'y ait pas des flics de la zone 3, ouais, et des flics de la zone 2, c'est une assez bonne idée aussi. Donc, c'est un personnage qui est porteur comme ça d'un certain charisme. Et ça m'intéressait que. D'ailleurs, de ne pas adresser le portrait. Ouais. De deux politiques qui sont, qu'ils sont désabusés. On voit bien, d'ailleurs, Zem n'est pas insensible à son discours, hein, lui-même. Hein, à plusieurs reprises, quand il l'entend sur le terrain, vous dites, on a envie d'y croire. Lui-même se dit, tiens, il y a peut-être, c'est peut-être des pistes. Et d'ailleurs, Barsok lui fait une cour assidue. Hein, il veut à tout prix qu'ils viennent travailler avec lui. Hein, voilà. Bon. Alors, j'allais vous poser la question, quand on crée comme ça des personnages de fiction, est-ce qu'on a forcément en tête un personnage réel ou des personnages réels? Donc, ma question n'a plus de raison d'être, puisque vous dites que non. Hein, c'est ça le génie de l'imagination. Non, sincèrement, hein, pas sur des, ouais, pas sur des hommes politiques existants. J'ai essayé de penser à ce qui traverse les hommes et les femmes politiques, cette espèce d'appétit, d'énergie. Vous allez dire que je suis un peu pervers, parce que le deuxième politique, lui, il a un prénom, alors que Barsok n'en a pas. J'ai bien cherché, hein, je veux dire que j'ai cherché le prénom de Barsok, je n'ai pas trouvé. Le prénom de Kanaka, c'est Attilio. Hein, bon, peu importe. Hein. Là, je me suis dit, alors, ça renvoie à qui, Kanaka, hein? Et je n'ai trouvé qu'un, mais ça, vous n'avez pas connu parce que vous êtes trop jeune, qu'un lointain Jean Kanapa, hein, qui était au Parti communiste français, à l'époque de Georges Marchais, le responsable du secteur intellectuel, et qui avait la réputation d'être un assez dur stalinien, hein, dans l'appareil du PC dans les années 70, et qui finalement est allé beaucoup plus loin, presque Marchais, dans l'union de la gauche et entre autres dans la transformation du Parti communiste français. Voilà, c'était pas Kanaka, c'est non, Kanaka. Là, vous êtes trop fort pour moi. Là. Alors, à ce petit jeu, ce qui est intéressant, c'est de constater que quand même, Barsok et Kanaka
se livrent une concurrence et une compétition qui n'est quand même pas loin de rappeler la bagarre entre Sarkozy et De Villepin sur l'affaire Clearstream. C'est-à-dire qu'il y a intox, manipulation, volonté de faire tomber l'autre. Et ça met quand même quelque part Zem et Salia dans une situation qui est compliquée dans leur rapport à la vérité. Parce que votre livre parle de la mémoire, mais aussi il traite de la question de la vérité. Ouais, moi, ce qui m'intéressait dans la présence de ces deux hommes politiques, c'est que le roman se passe pendant une période qui est donc assez particulière, qui est celle d'une campagne, en fait, d'une certaine manière. Et pour moi, ça ouvre une zone un peu grise où des choses peuvent survenir, non pas pour des raisons qui n'ont pas directement à voir avec l'état du monde ou avec la vérité, mais par ambition ou par opportunisme vis-à-vis de cette campagne. Mmh. On peut faire des choses, on peut aider des gens en fonction de calculs à trois bandes qu'on ferait. C'est une période, comment dire, assez poreuse, assez fragile d'une certaine manière. Mmh. Je pense, par exemple, aux pré-campagnes américaines, avant que ce soit le démocrate contre le républicain, quand c'est dans le camp démocrate ou dans le camp... Il y a cette zone qui s'ouvre où on sait que ça va cogner, mais entre gens d'un même parti, qu'il faudra se rabibocher derrière. Donc, il faut taper dur parce que chacun veut être celui qui gagnera, mais en même temps, il y a un certain nombre de cadres à ne pas déborder. Là, on est un peu dans cette situation-là. On se demande jusqu'où l'affrontement peut aller pour ne pas mettre en péril le système, en fait. Et ça m'intéressait bien parce qu'effectivement, ça va percuter et rencontrer l'enquête de Sparac et de Malberg. Et ils doivent prendre ça en compte eux aussi, même s'ils n'ont pas très envie d'aller dans ce monde-là de la politique qui n'est pas le leur. Mais de fait, un des premiers interrogatoires qu'ils font, c'est celui de Kanaka. Et ils se trouvent face à un homme de pouvoir, eux, petits inspecteurs. Et ils comprennent tout de suite qu'effectivement, il y a une force qui émane de ces hommes-là contre laquelle ils ne peuvent pas grand-chose, en fait. D'autant que c'est certainement volontaire. Alors là, pour le coup, de votre part, les deux politiques sont sur des profils, j'allais dire, vraiment différents. Hein. D'ailleurs, vous l'avez dit à propos de Barsoc, il a un côté sans doute plus populaire, hein, plus avenant, comme on dit, hein, plus rentre-dedans, alors que Kanaka est froid. C'est un peu le représentant de la haute technocratie froide. C'est le mandarin, oui. C'est exactement. Hein, voilà, hein. Oui. Et donc ça, c'est très intéressant aussi de voir les effets à la fois de contraste, mais aussi les effets de miroir déformé entre les deux, et en particulier dans leur dialogue à distance, si je puis dire, ou leur rivalité à distance. Alors, en matière d'autres lieux, il y a des lieux qui sont tout à fait extraordinaires, si je puis dire, parce qu'ils nous emmènent loin. Qui sont presque des lieux accoucheurs. Hein. Je pense en particulier à la boîte, une sorte de boîte de nuit, mais en fait c'est comme une sorte de fumerie d'opium. On a presque l'impression, dans la première image où vous parlez de la boîte de Mickey, là, de retrouver des planches, des cartouches, des vignettes du lotus bleu de Tintin, quand Tintin enjambe des corps dans cette fumerie d'opium en Chine, parce qu'en fait, il y a là des personnes qui prennent un produit, un psychotrope du nom de Okios, et puis ça nous met aussi avec le métaverse, hein, puisque ça permet de revoir alors, soit de la fiction, et Zem, lui, son addiction, c'est de revoir les images du passé. Hein, c'est assez étonnant. Il nous offre là, on pourrait presque dire, une volonté de retour au pays natal. Alors, on a bien la dimension de la nostalgie. On pourrait dire aussi qu'il souffre de ce terme qu'on emploie maintenant beaucoup, de solastalgie, hein, c'est-à-dire la nostalgie de la Terre telle qu'elle était avant la période de l'Anthropocène, hein, cette terre qui pouvait apporter du réconfort, et c'est ça qu'il cherche en quelque sorte Zem dans Sparac, dans ses passages de plus en plus fréquents dans la boîte de Mickey. Oui, pardon, il est dans un premier temps, ce sont des
il va découvrir cette drogue, qui est un nouveau produit qui arrive. Et dans un premier temps, c'est un énorme soulagement. C'est-à-dire que grâce à l'Okios, il peut faire ce qui lui plaît le plus, d'une certaine manière, c'est-à-dire effacer ce qui l'entoure, effacer Goltex, effacer ses 30 années passées à parcourir la zone 2 ou la zone 3, et retrouver tout simplement Athènes. Il se plonge, vous l'avez dit, dans des images en noir et blanc, sans interaction avec ces images-là. C'est juste comme de se promener dans un décor, il n'y a pas de son. Enfin, s'il y a des sons, mais tout ça est un peu sépia. Et ça représente un profond soulagement, parce que c'est comme une parenthèse, en fait, et puis un retour dans le passé. Le problème qu'il va connaître au fur et à mesure que le roman avance et qu'il multiplie les prises d'Okios, c'est que bizarrement, ça commence à dysfonctionner et que sa mémoire interagit avec les images qui lui sont projetées. Au début, et normalement, ça n'est pas le cas, normalement, c'est juste, on est dans un film un peu immersif, mais petit à petit, il se rend compte qu'apparaissent, par exemple, sous ses yeux des gens qu'il a connus, ce qui est tout à fait anormal. Et là, c'est une manière pour moi de montrer que... malheureusement pour lui, il ne pourra pas se débarrasser de sa mémoire et que la mémoire se réinvite dans la danse comme un objet de torture, en fait, qui vient à nouveau mettre le couteau dans la plaie. Il pensait avoir trouvé un espace de soulagement, mais cet espace de soulagement finit par être gâché parce qu'il a en lui. Et il faudra vraiment que son enquête le mène sur le chemin de cette mémoire pour que finalement cette plaie trouve une résolution d'une certaine manière. Mais la prise d'Okios ne fait que, dans un deuxième temps, que le torturer davantage. Alors, vous avez employé le mot torture, évidemment, ça m'amène à évoquer, mais j'en dirai pas plus, une des scènes que j'ai trouvé moi les plus dures, hein, de votre roman. C'est ce que vous appelez dans votre texte la bastonnade de Salia par un dénommé Panotis, hein, qui est un caïd, un petit caïd de la zone 3, mais qui est instrumentalisé. Alors, j'en dis pas plus, mais si là, quelque part, la mémoire peut être torture, c'est tout à fait cela. La scène nous renvoie à des scènes aussi fortes, j'allais dire, que cette scène de Kubrick dans Orange Mécanique avec Alex, hein, qui est ce petit voyou londonien avec les électrodes sur la tête. Bon, c'est quelque chose de tout à fait spectaculaire. Quand on crée comme cela... Mais là aussi... Oui, allez-y, Laurent. Non, allez-y. Là aussi, je pense à la connexion avec le monde d'aujourd'hui. Moi, j'ai été très frappé d'entendre dans un documentaire un jour parler... les gens qui, aujourd'hui, dans notre monde, sont chargés de trier les réseaux sociaux, vous savez, d'enlever tout ce qui est de l'ordre de la pornographie ou des meurtres, ou des décapitations, comme ça a été le cas au moment où Daesh, par exemple, utilisait ces réseaux-là. Et c'est des gens qui, quand ils parlent, on se rend compte, c'est les éboueurs de notre temps. C'est-à-dire qu'ils sont en permanence en présence d'images absolument traumatisantes et ils ne voient que ça. Ils sont bombardés de ce que l'homme fait de pire, en fait. Et donc, j'ai un peu repensé à ça en me disant, mais en fait... cette chose-là existe, on la connaît peu parce que quand on n'est pas amené à faire ce travail-là, on ne sait pas ce que c'est. Mais ça doit être extrêmement difficile. C'est-à-dire que de se salir l'œil à longueur de journée pour les autres, pour assainir un espace, c'est quand même terrifiant. Ouais. Dans le même chapitre, on peut rendre hommage aux policiers et aux gendarmes qui traquent les images pédopornographiques à longueur de journée sur des réseaux. C'est un métier qui est absolument... épuisant, hein, voilà. Alors, quand on écrit, comme vous l'avez fait, un texte qui est au-delà de notre époque, même s'il est très inspiré par des événements, par des faits, par des technologies actuelles, et comme c'est la première fois que vous, je crois, hein, dans votre œuvre, je la connais insuffisamment, hein, pardon, mais que vous rentrez, vous passez comme ça en quelque sorte les limites du temps, qu'est-ce que ça apporte pour l'auteur? Une liberté absolue, comment on dit, un no limite, ou est-ce qu'il faut se tenir au contraire? Ah non, moi je pense que on parle depuis quelque temps ensemble du livre, et c'est vrai qu'il y a des aspects un peu sombres, un peu effrayants, un peu anxiogènes dans tous ces éléments mis en place dans l'ambiance qui entoure les personnages, dans les règles de vie de cette société-là. Mais très honnêtement, ça ne
ça ne dit rien du très grand plaisir que j'ai eu à écrire, moi. C'est-à-dire que ces deux choses-là peuvent coexister, en fait. C'est pas parce que le monde que je déploie est sombre que pour autant, j'ai pas éprouvé un... Vraiment, c'est très jouissif d'imaginer tout ça. Comment ça marche? Comment ça dysfonctionne? Quelles sont les règles? Quels sont les objets du quotidien? Alors oui, les gens vont avoir des frigidaires connectés qui commandent tout seuls ce dont on a besoin. Mais qu'est-ce qui se passe quand ça marche plus? Moi, je me suis amusé à écrire tout ça. C'est un travail d'imagination qui est extrêmement plaisant parce que justement il n'y a pas de limite, parce que justement la seule contrainte qu'on a, c'est celle de faire en sorte que à la fin ça crée un univers cohérent, mais on peut aller aussi loin qu'on veut, et je prétends pas du tout être allé au plus loin possible. Je pense que ça aurait pu s'étendre encore davantage. C'est sans fin d'une certaine manière. C'est là qu'on se rend compte que le territoire de l'imagination est absolument sans fin. Et encore une fois, pour moi, qu'il est écrit, ça compensait complètement le côté sombre du livre. C'est-à-dire que ce plaisir-là, il était réel, en fait. Absolument. Et puis l'autre point, vous me posez la question, ça c'est le premier, la première chose que je retire de l'écriture, c'est ce plaisir-là du déploiement imaginaire. Et l'autre, c'est le grand intérêt dont on a parlé, de questionner aujourd'hui, en faisant le biais, en passant par demain, si je puis dire. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, ça n'a pas cessé de m'interroger sur ce qui existe déjà, ce qui est déjà en place. Et du coup, j'espère que le roman, tout roman qu'il soit, et c'est bien qu'il en soit un, c'est comme ça que je l'ai voulu, est aussi une question peut-être est aussi l'occasion de se questionner sur est-ce que j'ai vraiment envie que le monde aille vers ça? Est-ce qu'on en est là? Enfin, que chacun fasse aussi ce petit chemin intellectuel de se dire, mais en fait, on y est déjà presque, ou il faut vraiment faire en sorte qu'on n'y soit pas. C'est un appel aussi, alors non pas à l'action directe derrière, mais à la mobilisation sur ce qui... les différentes directions qui sont possibles. Je ne dis pas qu'on va vers Chien 51, mais par contre, je pense que Chien 51 est une des possibilités qui s'offre à nous pour demain. Et moi, je n'ai pas très envie que ça soit celle qui soit choisie finalement. Je ne veux pas de ce monde-là. Donc voilà, si les lecteurs et les lectrices pourront aussi déployer leur jugement sur les virages qu'il faut faire pour qu'on n'y arrive pas, quoi. Vous voyez, quand par exemple, on parle actuellement dans l'actualité et à l'occasion de la guerre en Ukraine, du rôle des drones, hein, on en a parlé aussi dans la dimension, j'allais dire, positive en matière de lutte contre les incendies. Hein, mais quand dans votre roman, les drones font les campagnes électorales et se promènent avec carrément des affiches qu'on appelait jadis des 4x3 avec les têtes des candidats, ou que à l'occasion des grandes émeutes, donc, qui ont lieu encore une fois 10 ans avant l'histoire, la reconnaissance faciale est déjà extrêmement développée, au point que les manifestants se griment et se maquillent pour contourner la reconnaissance faciale. Là, on est dans des choses qui sont très, très, j'allais dire, concrètes. Hein. C'est une multitude de détails. Alors, il y a une dimension très philosophique, hein, c'est le récit et la mémoire. Et à un moment, Sparac a une pensée où il dit ceci: cette ville, décidément, est un animal imbécile qui oublie tout ce qu'elle a été un jour. Et on a évoqué tout à l'heure dans notre conversation déjà cette dialectique entre Zem et Salia à propos de comment c'était avant, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Vous venez d'où? Quelle est votre réflexion sur ce télescopage des mémoires entre les mémoires individuelles, j'allais dire, et puis de la mémoire collective? Est-ce que la mémoire collective est indépendante, j'allais dire, de cette addition de mémoire individuelle? De la même manière qu'on dit que l'opinion publique ou l'opinion collective n'est pas la somme des opinions individuelles. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le fait que la mémoire individuelle, la mémoire de chacun d'entre nous, peut parfois démentir la mémoire collective ou
ou ce qu'on aimerait faire passer pour de la mémoire collective. Je prends comme exemple toutes les dictatures ont tenté d'imposer un récit du passé, et donc généralement de gommer un passé, d'effacer des gens sur les photos, de réinventer l'histoire. C'est un mouvement assez naturel à toute autocratie des dictatures, de vouloir naître a priori de rien, ou en tout cas de réinventer une généalogie. Et dans ces cas-là, la mémoire individuelle, la mémoire des parents, des grands-parents, est une façon de résister à cette mémoire imposée, fausse, creuse, fictionnelle, en fait. Donc, je trouve ça assez passionnant de voir que, parfois, cette mémoire collective est une manière de tenir, j'allais dire, au bon sens du terme, c'est-à-dire de décider de se souvenir d'un certain nombre de choses en tant que peuple, par exemple, ou en tant que nation, pour réaffirmer son identité. Mais c'est aussi parfois le jeu d'une... En fait, c'est un enjeu, la mémoire collective. C'est un enjeu politique. D'où l'importance, effectivement, de décider, dans la pluralité des points de vue, avec des spécialistes historiens, de ce qui est la réalité de la mémoire. Parce que sinon, on sait trop que ça peut être capté par de l'idéologie, de la subjectivité, ou même des gestes mal intentionnés. Donc, la question de la mémoire, elle est fondamentale, parce qu'elle crée à la fois, elle pose le socle du passé, mais elle doit le poser dans ce qui serait évidemment la vérité. Et la vérité, c'est le pluriel. C'est ça qui est souvent compliqué, c'est que ce qu'on déteste dans le passé, je pense là par exemple à Daesh, pourquoi est-ce que Daesh fait sauter le site de Palmyre? On pourrait dire, mais enfin, ils ont tellement d'autres choses à faire, puisqu'ils sont dans une logique de conquête du pouvoir, pourquoi aller faire sauter des vieilles pierres? C'est que la multiplicité des sources, Palmyre raconte ça, raconte que les sources étaient multiples. Et eux veulent imposer l'idée d'une source unique qui aurait toujours existé. Donc, aller frapper, aller taper, déboulonner le passé, c'est toujours une manière d'essayer de gommer la pluralité. C'est le cas dans un tout autre contexte de Goltex, effectivement, qui, par cette amnésie, semble dire que tout a commencé avec elle, quoi, et que la Grèce... Bon, bien sûr, il reste encore quelques Grecs émigrés qui mangent des feuilles de vigne avec nostalgie, mais au fond, ça va tendre à disparaître, et ça sera très bien comme ça, puisque le monde moderne n'a pas besoin de s'encombrer de mémoire. Et d'ailleurs, c'est pas faux. C'est-à-dire que c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'effectivement, Sparak est un personnage encombré par sa mémoire. Il ne vit pas sa mémoire de manière apaisée, rayonnante, comme une source de richesse intérieure. C'est pas du tout ça. C'est quelque chose qui lui pèse. Il est vieux de cette mémoire-là. J'allais dire, justement, c'est là que votre livre est aussi peuplé, chez Lévi-Rouge, jalonné de paradoxes, parce que on va terminer là-dessus. J'aurai deux dernières questions, mais on comprend en vous lisant, mais en vous écoutant là, depuis que nous sommes ensemble, la raison d'être de l'épigraphe de votre livre. Une citation assez mystérieuse de Paul Claudel, extraite du Soulier de Satin. Je la cite. « Car ce qui a existé une fois fait partie pour toujours des archives indestructibles. » Ça, c'est terrifiant, parce que ça veut dire que si l'oubli n'existe pas, mais c'est une société qui est totalitaire aussi, l'existence de l'oubli, ça permet quand même aussi de vivre, non? Alors, c'est drôle, parce que c'est très intéressant. Je comprends tout à fait ce que vous dites là, mais je ne l'ai jamais entendu comme ça. Je l'ai entendu à l'inverse. C'est-à-dire que pour moi, c'est une phrase qui est une sorte de vœu pieux, magnifique, mais dont on sait qu'il est impossible de dire « rien ne doit être oublié ». D'accord. Chaque chose qui est passée sur cette terre, chaque être humain, chaque événement, chaque petite vie, même minuscule, même engloutie trop vite, doit être dans les archives indestructibles. Ça sera compté, quoi. Ouais. Moi, c'est comme ça que j'entends. Mais vous avez raison, au sens où la modernité, par exemple, la question des réseaux sociaux, je suis sans doute un pessimiste, réinvente et réinterroge effectivement cette chose-là. Ouais. Et on pourrait y voir quelque chose de totalitaire, parce qu'on sait maintenant, notamment dans nos sociétés, on se pose la fameuse question du droit à l'oubli. Exactement. C'est pas rien. Exactement. Et c'est extrêmement important. Mais c'est vrai que je ne l'avais pas entendu comme ça. J'avais plutôt entendu comme... Parce que je pense que c'est un écho avec le fantasme qu'on a quand on écrit, en fait. Beaucoup d'entre nous, et je me mets tout à fait dans cette énorme foule d'écrivains qui me dépassent, qui me précèdent, qui suivront aussi. Je crois qu'il y a dans l'écriture un geste fondamental qui est un espèce de fantasme de dire
je vais raconter des vies pour pas qu'elles disparaissent. Mmh. Alors évidemment, si on fait vraiment de la fiction, c'est moins vrai, mais quand on parle d'un personnage historique ou d'un personnage familial ou de choses qu'on a soi-même traversées, c'est souvent ce geste-là, c'est d'offrir une sorte de sanctuaire à des vies réelles qui sont passées trop vite, en disant si je les écris et si j'arrive à les écrire bien, alors elles existeront pour toujours. C'est dans ce sens-là que je prends la phrase de Claudel. On n'a pas le temps d'évoquer un personnage qui n'est pas du tout secondaire dans votre histoire. C'est un dénommé John Mafram. Enfin, je prononce sans doute mal, ou Yon Mafram. Mais ça, je laisse le lecteur le découvrir. On n'a pas le temps de parler du Love Day, qui est quand même... Ah oui, qui est quand même à la fête du sexe que la musique est à la fête de la musique. Hein. Bon, je retiens cette nouvelle injonction de Goltex, hein, baiser parce que cela fait du bien et qu'il faut le faire, hein, donc ça devient une espèce d'impératif. Hein, alors on voit d'ailleurs que Salia n'est pas du tout choquée par ça, mais Zem quand même, qui a 30 ans de plus, ça le percute un petit peu. Mais je voudrais qu'on termine par votre dédicace. Pardon, hein, là encore, c'est pas l'épigraphe, hein, c'est votre dédicace. À celles et ceux qui n'ont pas oublié Delphes. Et on comprend en lisant la page 265 de votre livre ce que vous avez voulu dire. Genre, je vais pas vous demander de gâcher l'histoire en disant ce que vous avez voulu dire par là, mais j'ai une ultime question à l'amoureux de la Grèce que vous êtes, quand même sur Delphes et la célèbre Pythie, hein, donc la servante d'Apollon, hein, qui rendait ses oracles juchés sur un trépied. Est-ce qu'un auteur de science-fiction, comme vous l'avez été là pour ce roman, est-ce que vous considérez un peu comme un lointain héritier de la Pythie antique et on pourrait presque dire que quelque part vous êtes quelqu'un qui nous force à ne pas oublier notre futur. Ah ben je prends, si c'est vous qui le dites, moi je suis pour la Pythie. Oui, c'est, je crois qu'il faut pas sous-estimer le côté jeu qu'il y a dans la lecture d'un roman d'anticipation. D'accord. Je crois que le lecteur sait aussi quand il y va que ça va être rigolo, même si le monde est sombre, de voir qu'est-ce qui pourrait être demain. En fait, c'est ce petit jeu de la boule de cristal, et donc en ce sens-là, oui, peut-être la Pythie, mais c'est au fond, c'est assez ludique avec le lecteur, c'est de dire et s'il y avait ça demain, et si c'était ça qui avait pris le dessus, voilà. Je crois que c'est un vrai plaisir qu'il faut pas bouder non plus. C'est de jouer au devin tout en sachant que probablement la réalité nous démentira parce que c'est ce qu'elle fait tout le temps. Merci beaucoup, Laurent Godet. Alors, je remonte votre livre Chien 51 chez Actes Sud. Merci, au revoir. Merci infiniment, au revoir.